Salut à tous et salut à toutes, c'est The Turning Point pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, comme d'habitude. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Quest Monster Joker 3 pour une vidéo. Voilà, ça fait encore 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que mon micro pour parler ne marchait plus. Donc j'ai dû m'en racheter un, et pour en trouver un bien qui me correspondait à qui correspondait à mon budget, mes attentes, etc. Voilà, donc j'ai mis du temps. Et puis je vais pas dans les magasins tous les jours. Donc voilà, donc excusez-moi encore. Mais bon, je vais essayer de régler ce problème des 2 semaines assez vite. Donc on se retrouve encore une fois pour du Wi-Fi. Enfin, on va en faire s'il y a des gens. Donc on peut tester Orgodemir en Wi-Fi. Je viens de remarquer qu'il n'a pas d'objet. Ni wesh wesh. lui, on va lui mettre quoi? On peut lui mettre ça. Orgodemir, on va lui mettre quelque chose qui booste. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et lui, on va lui mettre un truc. Un truc qui augmente de 20, c'est tout. Ouais, bon, allez, on lui met ça. Donc voilà, donc, allez, c'est parti. Donc, au Japon, on va voir quelle heure il est. Il est 20h24, 20h, enfin, il est 21h, donc en gros, ici, il est, si on calcule, il est 14h, ici. Donc, hop, oui, battle, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est en train de faire. On va faire des normales. On va prendre cette équipe là. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. On cherche des gens. Hein, donc, dites-moi en commentaire des idées d'équipe drôle, marrante, tout ce que vous voulez. Je verrai pour les faire. Et je crois que c'est le jeune homme à la crinière de feu m'a proposé une équipe composée de que des gluants en or, etc. Et ça arrivera dans une prochaine vidéo. Donc là, c'est parti. Ok. Ouh, un boost de vitesse. Ok. Là, on va faire... Là, on peut faire un truc. On peut faire ça. Et toi, tu vas faire... Lui, je vais le laisser attaquer. Hop, c'est parti. Attention, l'attention. Attention, l'attention. Trop marrant, ça. Allez, allez. Alors, je ne sais pas s'ils vont attaquer en premier. Je pense que mon Metal Killer est assez rapide, donc il devrait attaquer en premier. Oh non. C'est le gluant. Ah, ok, il fait ça. Excellent. Lol. Comme ça, il peut pas attaquer. Ouais, mais ça marche quand même en fait. Ouais, donc en gros, quand le gluant, le roi guerrier gluant nous met cette espèce de roche autour de nous, bah on ne peut plus rien faire. Mais ça augmente notre défense de 1 million. Par contre, on en parle de toute sa tension, le mec il a augmenté de 50. Ah ouais, mais c'est problématique. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est chaud là. Je sais pas si la qualité est très bonne, mais bon, on va laisser comme ça. Je vais rien toucher. Bon, c'est con que mon... Ouh, 200. C'est con que le roi guerrier gluant ait fait l'attaque là qu'il vient de faire. Pour booster la défense de tout le monde, parce que ça me fait un peu chier. Vas-y, go. C'est parti, c'est parti. Bon, après, ma machine à tuer, elle a 25 de tension. Donc, elle peut faire très très mal. Elle peut faire très très mal. Oh putain. Ah, ils attaquent à la suite.
Ok. Ah, ils sont tous empoisonnés. Hein. Oh putain. Wow 999. Ok, bah. On joue pas au même jeu, hein, je crois. Ah, en plus, il est endormi. C'est pas fini. C'est pas fini. Bon, je crois que c'est la fin, hein. Je crois qu'on peut abandonner ce combat assez rapidement. En fait, je pensais pas que ces monstres allaient être aussi rapides. Je pensais pas qu'ils allaient être aussi rapides. Eh, vous savez quoi, dans cette vidéo, on va pas faire des combats Wi-Fi normaux. Attendez, je change d'équipe. Mais quand je dis pas des normaux, ça veut dire... on va faire du GP. On va faire du GP. Hop. Toi, tu vas... Allez, c'est parti. Mais il va être encore plus rapide. C'est chiant. Attends, même lui, il est plus rapide que Golden. C'est pas normal, ça. En plus, elle a que des attaques de poison. Donc, après, ouais, tu meurs du poison. Ça va faire mal, ça. 443, ok. Bon, ça fait mal, mais c'est pas ouf non plus. Ok. Bon, espérons que mes monstres puissent attaquer. Oh, c'est cette petite bête là qui me fait peur. Ok, ça va. Okay. Heureusement qu'ils ne sont pas endormis. Oh non, non, non. Non! Ah! Jeanne, au secours! Putain. Allez. Wow, il se booste sa défense. Allez, je sais pas. Oh, tellement de dégâts. Bon. Je crois que je vais abandonner ce combat, hein, parce que je me fais rouler dessus. Je me fais rouler dessus. Hop, bon, j'ai abandonné, désolé, je ne suis pas celui que je prétends être, car je suis... Batman. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, le premier épisode de Dragon Quest 8 arrivera bientôt. Quand, je ne sais pas, mais bientôt. Parce que c'est très long, ce que je suis en train de faire dessus. Donc, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Oui, donc j'avais dit qu'on ferait du GP. On va aller en faire, hop, ici. Non, 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 si, c'est ici. Là, on va faire ça. Donc ça va prendre un peu de temps pour charger, mais bon, c'est normal. Allez, allez, allez. Bon, alors j'espère que mes vidéos vous plaisent. Enfin, les vidéos Wi-Fi où je me fais défoncer vous plaisent. et voilà, voilà. Comment dire? Je voulais dire un truc, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref. Ça m'arrive, hein, voilà. Ça m'arrive. Bon, je vérifie là si la qualité est pas... Oula. Il y a eu un petit mouvement. Attendez, bah vous savez quoi, je vais couper la vidéo et je vais revenir quand ça sera bon. Et yo tout le monde, c'est Squeezie. Non. Donc là, on se retrouve pour le GP. Donc c'est parti. Donc là, le GP, on va changer... Non, non, je ne vais pas faire ça. Non, mais... Oh là, je suis un bouffon, hein. En fait, je voulais changer d'équipe, mais... Attendez. Il me
Parce qu'en vrai, je ne me souviens plus où il faut aller pour changer d'équipe. Ah, voilà. Non, c'est pas là. Voilà, c'est là. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Orgodemir. Orgodemir. Ok, je vais prendre Orgodemir, le roi guerrier et la machine à tuer qui est ici. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, on est bon. Et on peut faire du GP. Alors, on va prendre des adversaires. Alors, on peut choisir entre des adversaires plus forts que nous, niveau moyen, enfin, du même niveau que nous, ou plus faible. Donc, si vous voulez, on peut prendre du même niveau. Allez. Oh non, mais dis pas que c'est pas vrai, putain. Alors, on peut pas faire de GP parce que le GP est fermé le dimanche. Donc, voilà. Donc, c'est pas que ça fait chier, mais bon. C'est pas que ça fait chier. Alors, qu'est-ce que... Bah, on va faire des combats Wi-Fi normaux. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous lise? Hop. Tiens, on va faire des combats... Attendez, non, non, oula, oula. Changer d'équipe. Hop, hop, changer. Hop, voilà. Et c'est parti. Allez. C'est parti, c'est parti. Bon, on trouve personne là. Allez, les Japonais là. Ah oui, au fait, il y a Dragon Quest Monster Joker 3 professionnel. Professionnel, enfin, qui va sortir. Alors, je ne compte pas de base me l'acheter. Parce que j'estime qu'en fait, faire la même aventure que le premier, plus rajouter un petit bout de scénario, ça sert à rien. À part si il y a beaucoup plus de monstres que ce que le Dragon Quest Monster Joker 3 de base, ou bah tiens, on va faire lui, hop, c'est parti. Ou s'il y a... tiens, il n'y a qu'un seul monstre. Ou s'il y a... ou s'il y a l'aventure d'après qui est vraiment bien et très longue. Parce qu'en fait, j'estime que faire exactement le même jeu pour rajouter une petite histoire en plus, ça sert strictement à rien. Surtout qu'ils perdent de l'argent, en fait. Parce que les gens ne veulent pas acheter un autre jeu... Putain, il fait chier, le roi guerrier blanc. Ils ne veulent pas acheter un autre jeu en plus. Parce que c'est... En plus, c'est presque le même. En fait, moi, je pense que le mieux, ça serait... comment dire? Le mieux, ça serait que ça soit, en fait, les jokers professionnels, ça soit, en fait, un DLC. Ce que j'entends par DLC, c'est, par exemple, on achète, par exemple, à, je sais pas, 20€ l'aventure en plus... Et en achetant ces 20€, on peut avoir des monstres en plus, mais que on peut pas utiliser contre des autres joueurs qui n'ont pas les monstres, qui n'ont pas le DLC en fait. Mais contre les autres joueurs qui ont le DLC, on peut les utiliser. Enfin, je me suis pas fait. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais bon. En fait, j'estime que c'est mieux d'avoir un DLC. Enfin, d'avoir un DLC que de racheter le jeu. Après, bon. C'est Square Enix. Hein. Ils ont fait ça pour Joker 2. Ils avaient fait la version normale et la version professionnelle. Et la version professionnelle, c'est nettement moins bien vendu que la version normale. Et j'estime ça normal, en fait. Que ça se vende beaucoup moins bien pour un jeu qui est presque le même. Oula, mec, il a 1000 heures de jeu. Oula. Ah, là, ça va être un beau combat. Je le sens. Je le sens, je le sens. Allez, c'est parti. Et puis ici, j'achète le Joker 3, vous aurez... Alors par contre, on va se calmer tout de suite, je vais prendre ça. Si j'achète le Joker 3, comment dire... Je ne veux pas travailler, lol. Non, je ferai pas le let's play en entier, hein. Je ferai juste la partie qui est en plus. Donc bref. Donc là c'est parti, donc là on est contre un
crabe géant. Un crabe 4 cases. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout. Il ne veut pas attaquer. Bon. Alors là, la petite montée de tension. Alors je sais pas s'il va faire mal. Il a un petit boost des défenses là. Ouh, 114, il prend, ok. Donc il a pas beaucoup de PV, ça veut dire. 200. Nice. 800 PV qu'on lui a enlevé en tout. Par contre, pourquoi il refait de la tension? C'est totalement con. Ah oui, donc là j'ai fait la technique interdite. La technique interdite. Et voilà, on a réussi. La technique interdite a marché. Voilà. Donc la grosse technique interdite qui fait beaucoup de dégâts. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo comme ça. Je pense qu'on va arrêter là. Parce que j'ai pas d'autre chose à voir. Et en plus, une vidéo de plus de 20 minutes, c'est un peu trop long. Donc, voilà. On aura fait deux victoires. Bon, deux victoires faciles. Et un combat qui était difficile, mais qu'on a perdu. Et une tentative d'aller en GP, sauf que le GP ne marchait pas. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Laissez un j'aime, un commentaire, vous abonnez-vous si ce n'est déjà pas fait. Et allez, à plus pour une prochaine vidéo dans moins de 2 semaines, j'espère. Allez, salut!